Bonjour à tous et bienvenue à notre événement aujourd'hui, le Google I/O Extended. Et donc, le Google I/O Extended, c'est en fait un événement pendant lequel nous allons parler des nouveautés relatives aux technologies de Google. Et donc, aujourd'hui, nous aurons donc le plaisir d'accueillir avec nous Edouard Marquez, qui vient de France et donc qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et donc ensuite, nous allons accueillir un Google développeur expert Android afin de nous parler des nouveautés en Android. Donc. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bonjour Edouard, bienvenue. Mais merci en tout cas pour l'invitation, ça fait plaisir en plus de pouvoir parler de Flutter, voire même d'Android pour tout à l'heure. Donc j'espère que ça va passionner les gens qui nous suivent. Donc, est-ce que je peux lancer le partage déjà ? Volontiers. Ouais. Nickel. Ok. Donc du coup, hop, je vais passer en plein écran. Donc normalement, vous devriez voir mes slides si tout se passe bien. Et du coup, est-ce que je peux commencer ou est-ce que tu as encore des choses à dire, peut-être Thierry, avant ou Oui, tu peux commencer, il n'y a pas de souci. Ok, bon bah parfait, bah, du coup je vais commencer. Alors hop, je mets mon petit chrono pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Bonjour à tous du coup, ravi, donc une nouvelle fois merci donc au GDG Mons de m'accueillir aujourd'hui et je vais donc vous parler des nouveautés qui ont été présentées à la Google I/O autour de Flutter. Juste avant, j'en profite quand même pour me présenter. Donc moi, je suis freelance Android et donc Flutter. Et si ça peut vous intéresser, moi, je m'occupe de deux newsletters qui sont justement sur ces deux sujets. Donc il y a une newsletter sur Flutter et une newsletter sur Android. Donc là, je vous ai mis les deux liens si ça vous intéresse. Donc une s'appelle Flutter Digest, l'autre Android Croissant. J'envoie ça tous les lundis matin. Donc voilà, si vous voulez vous être informé des dernières actus autour du développement de ces deux plateformes, voilà, n'hésitez pas à vous y abonner. C'est gratuit. Donc maintenant que cette petite page publicitaire est passée, du coup je vais commencer donc à vous parler des nouveautés qui ont eu lieu autour de Dart et de Flutter à la Google I/O. Et avant de s'intéresser à Flutter, on va regarder déjà le langage. Donc le langage c'est Dart et il y a donc eu la version 2.17 qui a été présentée. Donc il y a eu plein de nouveautés et donc je vais commencer par la première qui tourne autour des énumérations. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Dart, des énumérations, en fait, il y en a comme dans plein d'autres langages, et c'est une vision relativement simpliste, à savoir, par exemple, comme vous le voyez ici, j'ai l'eau et elle a plusieurs états. Mais si vous avez fait, par exemple, du Kotlin, en Kotlin, les énumérations, ce sont des classes, et donc on a beaucoup plus de fonctionnalités. Alors en Dart, on n'avait pas accès à tout ça. Par contre, on pouvait un tout petit peu tricher en utilisant des extensions et donc rajouter des méthodes à des énumérations. Mais ça restait quand même en deçà de, comme je vous ai dit, ce qu'on peut faire avec des classes, des énum classes en Kotlin.
Bah, depuis Dart 2.17, il y a ce qu'on appelle les Enum Members qui, grosso modo, vous permettent sur des énumérations d'avoir maintenant des propres attributs, ses propres méthodes, en gros, bah, comme si c'était une classe de manière classique. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de sympa comme fonctionnalité. Donc ça, les énumérations, c'est la première des nouveautés. La seconde, ça concerne l'héritage de classe et la partie constructeur. Donc là, ici, on va imaginer que vous ayez une classe qui en étant d'une autre, et donc vous devez donc appeler le constructeur super. Et donc là, comment est-ce qu'on fait ? Bah, dans un premier temps, dans le constructeur de la classe fille, je déclare un attribut, et jusqu'à présent, en fait, il fallait que je le donne à l'autre, du moins dans le super, au bon attribut. Mais bon, le problème de ça, c'est que selon le nombre de paramètres à appeler, ça peut être parfois très très long. Et voilà, en termes d'écriture, c'est pas toujours très terrible. Et donc depuis Dart, je vais y arriver, 2.17, en fait, on a ce qu'on appelle les super initialiseurs. Donc maintenant, directement dans le constructeur de la classe fille, on peut dire super point le nom de l'attribut en question. Ça évite en fait de passer un argument à l'autre, ce qui en termes de lisibilité est quand même un peu plus sympa. Donc ça, c'était la deuxième fonctionnalité. La troisième, maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir en Flutter, quand vous avez une méthode, un constructeur, vous avez plusieurs manières de passer des paramètres. Soit vous êtes obligé de les donner dans un ordre bien particulier, soit vous avez la possibilité de les donner dans un ordre aléatoire, dès lors que vous les préfixez. Donc, c'est ce qu'on appelle les arguments nommés. Et jusqu'à présent, on avait la possibilité d'avoir d'un côté des arguments fixes, donc en termes d'ordre, et aussi de donner des arguments nommés. Pour ça, en fait, il fallait, dans un premier temps, donner les arguments obligatoires dans le bon ordre, et après, on pouvait enchaîner avec les arguments nommés. Donc, ouais, on était contraint par cette restriction-là. Depuis Dart 2.17, en fait, maintenant on a la possibilité de les donner dans l'ordre. On peut mélanger les arguments nommés au milieu, il n'y a plus de souci. Donc là, par exemple, ici je commence par donner un argument obligatoire dans le bon ordre, puis je donne ici un argument un argument nommé, et enfin je donne le deuxième argument obligatoire. Donc voilà, maintenant, en fait, on est tout simplement plus contraint dans l'ordre que l'on donne les arguments nommés. Donc ça, c'était la troisième fonctionnalité. Ensuite, il y en a tout un tas. Il y a un changelog qui est très conséquent, donc je ne vais pas vous les faire tous. Donc voilà, il y a plein de modifications sur le support des processeurs RISC-V, Dart FFI. Donc Dart FFI, c'est ce qui vous permet de faire communiquer du code en Dart avec du code natif. Voilà, il y a plein de changements, mais bon, je ne vais pas vous faire le changelog. Je vous invite à regarder le GitHub officiel parce que vous avez un super changelog de disponible. Donc du coup, maintenant, je vais vous parler plutôt de Flutter, qui est donc disponible en version 3.0. Donc, a priori, qui dit version 3.0, bah, dit version majeure. Alors, dans un premier temps, je vais m'intéresser à des fonctionnalités qui sont, bon, pas très, très importantes, mais qui ont quand même leur sens. Donc, déjà, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y avait aujourd'hui 500 000 applications qui utilisent Flutter sur le Google Play. Donc, soit c'est des applications 100% Flutter, soit ça peut être aussi un mélange avec du code qui existait déjà et sur lequel on a fait des modules en Flutter. Donc voilà, dans ce compte-là, il faut tout mettre ensemble. Mais 500 000 applications, c'est plutôt un gros chiffre. Donc, dans les nouveautés de Flutter 3, il y a l'arrivée de Material Design 3. Alors là-dessus, il y a, on va dire, que à peu près 80% de Material Design qui est disponible. Il manque encore parfois quelques petits widgets à droite, à gauche, mais on va dire que le gros de l'API a été implémenté. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de sympa. Deuxième fonctionnalité qui, pour le coup, est super intéressante, c'est ce qu'on appelle les Theme Extensions. Donc en fait, pour vous expliquer, aujourd'hui,
quand vous avez une application, vous avez la possibilité de modifier son thème, mais en réalité, c'est le thème matériel que vous voulez modifier. Donc, par exemple, vous allez modifier la couleur du body text 2, la couleur du headline 1, mais parfois, votre designer, il a fait ses propres codes, et donc, vous n'aviez pas la possibilité jusqu'à présent d'avoir votre propre thème avec vos propres attributs. Et l'idée des theme extensions, c'est justement de faire ça. Donc sur, je ne vous ai pas mis du code parce qu'en fait, il y a une vidéo sur YouTube qui explique ça très bien. Mais bon, grosso modo, ce n'est pas très, très compliqué à mettre en place. Autre fonctionnalité qui est arrivée, alors ce n'est pas vraiment une fonctionnalité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Flutter, vous avez un support de Firebase qui marche très, très bien. Et la particularité, c'est que en fait, auparavant, tout ce qui était documentation était géré en dehors de Google. Donc ça, en fait, c'était un site géré par la communauté. Alors que maintenant, en fait, tout est rebasculé sur le site officiel. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose, mais bon, au cas où. Et par contre, fonctionnalité qui est là pour le coup intéressante, si vous utilisez Crashlytics pour ce qui est du reporting de bugs, auparavant, le problème c'est que quand on avait des crashs dans Flutter, en fait on ne pouvait pas les déclarer comme tels dans Crashlytics, c'était juste des événements. Alors que maintenant, le plugin Crashlytics pour Flutter va bien identifier ce truc-là. Donc là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de que moi, j'attendais beaucoup pour le coup. Donc voilà, ça, c'était grosso modo la présentation générale des fonctionnalités, mais voilà, assez globale. Maintenant, on va s'intéresser à plateforme par plateforme, parce que comme vous le savez, Flutter, ça permet de faire du multiplateforme. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser sur la partie mobile. Donc, sur la partie mobile, une des nouveautés, c'est les écrans pliants, pliables. Bon, ça dépend des gardes-chapelles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, Microsoft avait publié il y a déjà bien quelques mois plein de pull requests dans le repo GitHub, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Flutter, tout est open source. Donc, ils avaient fait des pull requests, mais elles étaient encore en cours de validation. Donc là, maintenant, elles ont été intégrées. Donc voilà, maintenant, savoir est-ce qu'il y a deux écrans, est-ce que l'écran est ouvert, etc., etc. On a la possibilité de le savoir sans aucun problème. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Autre fonctionnalité par rapport au mobile qui concerne cette fois-ci plutôt les iPhones et plus particulièrement, alors je crois que c'est l'iPhone 13 Max, si je ne me trompe pas, qui est en fait un écran dont le taux de rafraîchissement est variable et peut aller jusqu'à 120 Hz. Donc en fait, Flutter gérait déjà un tout petit peu ce truc-là, mais maintenant, depuis donc Flutter 3, il y a vraiment le support dynamique de ce taux de rafraîchissement. Donc là-dessus, il n'y a plus de problème. Par contre, donc ça c'était des bonnes nouvelles. Par contre, petite déception entre guillemets, c'est que cette version de Flutter met fin au support des plateformes 32 bits. Donc en gros, si je ne me trompe pas, c'est tous les iPhones jusqu'à l'iPhone 5 et 5C qui ne sont plus gérés par Flutter, mais bon, là on se parle de téléphones qui ont quand même bien quelques années, et pareil, iOS 9, iOS 10 ne sont plus supportés. Donc là, sachant qu'aujourd'hui on est à iOS 15, donc grosso modo ça va. Par contre, une bonne nouvelle, parce que ça, c'était pas nécessairement une bonne nouvelle. Ce que l'on reproche très souvent à Flutter, et notamment sur la partie iOS, c'est que en termes d'animation, parfois, ça a tendance un tout petit peu à ramer. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Flutter fonctionne sur un moteur qui s'appelle Skia. Skia, c'est ce qu'on retrouve notamment dans Chrome pour la partie rendu. Et ils ont annoncé, à l'occasion de Flutter 3, l'arrivée d'un nouveau moteur qui s'appelle Impeller, qui est totalement en phase d'élaboration. Donc, je pense que c'est... Je ne sais même pas si c'est au niveau d'une alpha. Et pour le coup... Tous les retours que moi j'ai pu lire, c'est que voilà, ça améliore grandement les performances et on n'a plus ces impressions de saccade ou des choses comme ça. Donc bon, là-dessus, c'est quelque chose qui arrivera peut-être dans l'avenir. Donc voilà, peut-être un remplacement pour ce qu'il y a. Donc ça, c'était pour la partie mobile. Maintenant, on va s'intéresser à la partie desktop.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en février, il y avait la version 2.8 qui était sortie de Flutter et qui mettait en version stable le support de Windows. Donc là, bah forcément, sur la version 3, c'est toujours en version stable. Et la bonne nouvelle, c'est que sur Flutter 3, il y a maintenant macOS et Linux qui sont aussi en version stable. Et sur macOS, c'est même des applications universelles, c'est-à-dire que ça va supporter à la fois les processeurs Intel, à la fois les processeurs M1 ou les ARM64, c'est la même chose. Et pour ce qui est de Linux, bah, y a Canonical qui continue son support toujours de la plateforme. Donc voilà, ça c'était quand même le... Je pense que c'est en fait essentiellement pour ça qu'ils l'ont appelé Flutter 3, parce que voilà, maintenant que finalement tout est en version stable, voilà, pour tout le monde, c'est un peu plus clair de cette manière-là. Du coup, toujours sur sur cette plateforme desktop, bah, ils ont apporté de nouveaux composants, typiquement le support des barres de menu, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc bah, si vous appelez ces API quand vous êtes sur desktop, ça va afficher quelque chose. Si vous l'appelez sur d'autres plateformes, il ne se passera rien, tout simplement. Alors juste, j'en profite du coup pour vous faire une petite démo avec donc l'application Galerie que vous voyez juste ici. Donc cette application Galerie, vous pouvez la télécharger librement sur Internet. Donc là, ici, j'ai bien une application native. Donc voilà, là je me déplace dedans comme si c'était... voilà, une application normale. Voilà, c'est comme si c'était une application que j'avais téléchargée sur l'App Store ou voilà, des choses comme ça. Et moi, je dois vous avouer que ça fait déjà quelques temps que bah, j'utilise plutôt lorsque je développe une application macOS que de l'Android ou de l'iOS, parce que bah, tout simplement en termes de performance, c'est meilleur. Donc voilà. Mais donc voilà, maintenant c'est stable et vous pouvez bah, potentiellement publier des applications sur toutes les plateformes desktop parce que tout est stable désormais. Donc ça c'était pour le desktop. Et enfin, dernière partie qui est donc la version web. Alors là-dessus, je ne vous la fais pas, y a plein de modifications de performance, des choses comme ça, donc bon, je ne vais pas vous faire la liste, ce sera un peu trop long. Par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est au niveau de l'initialisation de Flutter Web. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, quand vous faites du web en Flutter, l'idée c'est que tout votre code Flutter va être transpilé dans un seul fichier JavaScript. Le problème de cette approche, c'est que si vous avez une grosse application, ce fichier JavaScript peut être très gros. Et donc, tant que l'utilisateur qui visite votre site n'a pas téléchargé 100% du fichier JavaScript, il n'y a rien qui peut être affiché à l'écran. Et là, l'idée que l'équipe de Flutter a mis en place, c'est justement que vous allez potentiellement pouvoir vous interfacer à différents éléments, différents endroits pardon, du lifecycle, ce qui va donc vous permettre bah, d'éviter une page blanche pour votre utilisateur. Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, là-dessus, je vous ai fait une capture d'écran du site de Flutter, donc vous avez plein d'infos dessus. Et aussi, un truc qu'ils ont profité pour clarifier, c'est dans la FAQ de Flutter Web, dans lequel ils expliquent très clairement que Flutter Web n'est pas fait pour un site où le SEO est important. Tout simplement, bah, par rapport au point que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que un site web en termes de SEO, il doit répondre le plus vite possible, sauf que là, bah, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc Flutter Web, c'est plutôt pour, je sais pas, des panels d'admin, des choses comme ça, mais c'est pas pour un site Le Monde ou Le Figaro. Alors j'ai oublié des quotidiens belges pour donner des La Libre, par exemple. Voilà. Voilà. C'est pas fait pour ces cas-là. C'est vraiment plus pour des applications, pour des applications web, on va dire ça comme ça. Donc ça c'était pour tout ce qu'il y avait à dire pour les trois plateformes principales. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bah, un nouvel angle d'attaque de Flutter, ça semble être le jeu vidéo. Et ils ont annoncé quelque chose qui s'appelle le Casual Games Toolkit. Donc moi je m'attendais à beaucoup derrière cette annonce. Et je dois vous avouer que j'ai été un tout petit peu déçu, parce que quand on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc-là,
En réalité, c'est tout simplement un projet Flutter dans lequel vous allez retrouver des SDK comme la pub, les in-app, le paiement in-app, Crashlytics et l'utilisation d'un moteur qui s'appelle Flame pour faire un jeu. Mais voilà, moi je m'attendais à vraiment des gros trucs là-dessus, et finalement le fait que ce soit juste un template, bah, je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu de cette fonctionnalité-là. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais lors de la Google I/O, il y avait un flipper, un pinball en anglais, qui avait été mis à disposition. Et ce truc-là était entièrement fait en Flutter Web, et donc la partie jeu de Flutter. Donc vous pouvez la tester, ça peut vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et d'ailleurs, ce code du Flipper, il est disponible si besoin. Donc voilà, est-ce que le jeu, c'est le futur de Flutter? Peut-être. Et avant de terminer, une dernière chose que là j'ai pu regarder, donc c'était une pull request qui est passée il y a à peu près une semaine, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que Chris Sells, c'était quelqu'un qui bossait avant dans l'équipe de Flutter et qui maintenant bosse chez Meta ou Facebook, et il a fait passer une pull request pour permettre de lancer des applications Flutter sur des casques de réalité virtuelle. Alors, est-ce que finalement, ce qui a été présenté là sur cette partie jeu, c'était pas finalement le début de quelque chose pour ensuite faire voilà, un peu plus sur la réalité virtuelle? Je ne sais pas vraiment. Voilà, c'était les principales, normalement, si je ne me trompe pas, oui, c'était les principales annonces qu'il y avait autour de Flutter. Juste en termes de conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques mois, l'équipe de Flutter avait aussi organisé auprès de la communauté un concours dans lequel l'objectif, c'était de développer un puzzle en Flutter Web. Voilà, c'était les deux grosses contraintes. Et après, grosso modo, c'était open bar. Et donc là-dessus, ils en ont profité pour remontrer les vainqueurs. Donc là, je vous en montre quelques-uns. Donc cette vidéo, pareil, elle est dispo sur YouTube si vous voulez la regarder. Mais comme vous pouvez voir, on est capable de faire des très belles choses en Flutter Web. Donc des jeux, c'est pas nécessairement des applications. Alors je crois qu'il y avait énormément de prix, énormément de catégories. Donc là, je vous laisse tourner un tout petit peu la vidéo pour que vous voyez tous ces trucs là et ensuite, bah, normalement voilà, ce sera terminé pour ma présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ou alors vous pourrez le faire ultérieurement sur Twitter ou que sais-je. Donc voilà, c'était pour conclure. Voilà, si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Sinon, vous avez mon Twitter, vous avez mon mail, vous avez aussi les deux newsletters que je vous ai indiqués. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci, Edouard, pour cette merveilleuse présentation. Donc, donc là, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Donc, je vais te laisser répondre aux questions si jamais tu as des éléments de réponse. OK. Ça te prend normalement sur l'écran. Ouais, je les vois au cas où. Donc, la première, c'est une question de Gérard. Donc, sur est-ce que le nouveau plugin Android Studio de Firebase Crashlytics fonctionne avec Flutter? Alors, je dois t'avouer que je ne savais pas qu'il y avait un plugin Android Studio pour ça. Alors, j'imagine que oui, parce que, en gros, pour expliquer, en réalité, il n'y a pas vraiment de SDK Flutter qui existe pour Firebase. Grosso modo, c'est juste un wrapper qui dit quand on est sur Android ou quand on est sur iOS, on utilise les SDK qui ont déjà été développés. Donc, je n'ai pas testé, mais sur le principe, je me dis que potentiellement, ça peut être le cas. Et ensuite, sur la deuxième question, est-ce qu'il projette de retirer ce qu'il y a des projets Compose? Alors là-dessus, sur Compose, donc Jetpack Compose, j'imagine que c'est ce que tu dis, Gérard. Pour le coup,
En fait, entre Flutter et entre Jetpack Compose, c'est vraiment, il n'y a aucun lien entre les deux. Là, pour ce que j'ai montré, donc, qui s'appelle Impeller, pour le moment, c'est qu'un test. Ils sont plus en train de se dire, est-ce que la réécriture complète d'un moteur vaut le coup ? Semblerait que oui. Et donc, bah, ils vont peut-être continuer là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment une approche où ils se sont dit, on veut faire quelque chose d'ultra optimisé. Et même si on regarde ce qu'il y a dans Impeller, c'est carrément ultra optimisé pour Metal. Et Metal, c'est le OpenGL qu'on retrouve sur les plateformes Apple en général. Donc voilà, il y a encore, je pense, beaucoup à faire avant côté Flutter avant même de penser à la partie compose. Donc voilà, a priori c'était les deux questions qu'il y avait. Donc en tout cas, merci à tous pour ces questions et pour m'avoir écouté aussi, bien évidemment. Effectivement, donc c'est tout ce qu'on avait comme question. Donc merci encore pour cette présentation. Donc, merci à toi pour l'invitation. En espérant te retrouver prochainement pour d'autres événements. Donc voilà, c'est okay. Vraiment. Et ouais. Merci et du coup, bah, bon courage Gérard qui du coup lui va normalement vous parler d'Android. Donc voilà, je vais regarder aussi de mon côté. Ça va. Allez, bonne journée. Merci, bonne continuation. Merci. Donc, nous allons accueillir maintenant Gérard, qui est Google Developer Expert en Android. Et donc, il nous parlera aujourd'hui de ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a de nouveau sur la technologie Android, après donc le Google I.O. Qui a eu lieu ce mois-ci. Donc, si Gérard est là, on va l'accueillir dans le studio dans quelques instants. Allô? Ok. Salut Thierry. Salut Gérard. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir aussi d'être là. C'est cool. Ouais, moi aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc, d'avoir cet honneur d'accueillir le premier talk en tant que Google Developer Expert. Donc, yes. C'est vraiment un privilège pour nous. Bah, c'est d'autant plus un privilège pour moi que. Comme je suis belge, vivant à Lille depuis quasiment 10 ans maintenant, de faire mon premier talk en tant que GDE dans mon pays d'origine, c'est tout un symbole, donc c'est cool. Ah, c'est cool. Bon, top. Donc, est-ce que les slides, si les slides sont prêts, on peut lancer. Ouais, je screencast ça. Hop. D'accord. Tac et tac. Voilà. Ok. Normalement, c'est ok. Top. Voilà. Donc, je te laisse la place pour la présentation. Yep. Ça marche. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Alors, du coup, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce talk sur toutes les annonces qui ont été faites sur Android. Le what's new in Android, puisque ben je sais pas si vous avez regardé les vidéos, mais il y a énormément de what's new quelque chose. Donc c'est un condensé de toutes ces what's new finalement. Vite fait, qui je suis. Donc moi je suis Gérard Paligo. Je suis très récemment Google Developer Expert pour Android. Je suis aussi Mobile Staff Engineer chez Decathlon. Et si vous voulez me suivre sur Twitter, sur tout ce qui est actualité Android, tout ça, @GérardPaligo, et vous m'en trouverez là-bas. Donc on va commencer parce que du coup, il y a énormément de choses à dire et pas forcément beaucoup de temps. Donc on va speed. Je vais juste démarrer. Hop, voilà, comme ça, je déborde pas trop. On va démarrer par quoi ? On va démarrer par Android 13 et tout ce qui est lié à la plateforme. Alors, juste aussi avant de commencer. Je vais pas tout aborder parce que finalement Google I.O. sur Android c'est genre plusieurs heures de contenu. Donc ce que je vais faire c'est je vais prendre les key points que j'ai retenus qui me semblaient plus pertinents. Je vais vous les donner en exemple aussi via du code pour la plupart. Et après je vous donnerai des pointeurs si vous voulez un peu approfondir ces sujets-là.
Du coup, on démarre par Android 13. Alors, plusieurs choses dans cette section. On va d'abord voir qu'est-ce que apporte Android 13, tout ce qui est lié à la privacy. Après, on va faire un petit point sur l'accessibilité, notamment avec Jetpack Compose et les Touch Target. On va voir ça juste après. Énormément d'annonces liées au multi-device, donc tout ce qui est connexion entre les multi-devices, simplifier la communication entre les différents objets connectés qui sont aujourd'hui dans nos maisons, dans nos poches, etc. On va faire un petit point sur Media 3, qui est du coup le nouveau ExoPlayer, si vous ne connaissez pas, c'est le lecteur vidéo, et un peu plus. Et enfin, on va faire un très bref passage par MLKit et du coup tout ce qui est lié au Google Play Services. On va voir ça juste après. Ok, alors du coup, Android 13, le maître mot de Android 13, très clairement, c'était lié à la privacy, mais aussi depuis quelques versions finalement de Android. Et on va faire un premier point sur tout ce qui est lié au Modern Storage, qui est du coup une librairie Jetpack liée du coup à tout ce qui est sauvegarde de fichiers en tout genre. Avec d'abord l'Internal External Storage. Donc l'Internal External Storage, c'est quoi en deux mots? C'est l'espace de votre application sur lequel vous pouvez venir écrire et lire des fichiers, mais qui est lié à votre application. C'est-à-dire que si vous désinstallez l'application, les fichiers qui seront sauvegardés sur ces espaces-là seront supprimés aussi. La seule différence, c'est que l'internal est beaucoup plus performant que le external, qui est un poil moins performant. Pour ça, comment ça se passe? En gros, l'idée là derrière, c'est qu'ils ont amélioré l'usage pour venir lire ou écrire des fichiers. Et donc là, vous voyez la première ligne. Je viens regarder si dans mon internal storage, donc via FileZDIR, j'ai assez d'espace pour écrire mon fichier. Si oui, je prends l'internal storage comme target. Sinon, je prends l'external storage. Et après, j'ai un code commun qui me permet de faire l'écriture dans mon storage. Après ça, on a du coup le shared storage. Le shared storage, c'est du coup l'espace qui est public, dans lequel toutes les applications peuvent venir écrire des fichiers. Donc pour ça, simplement, j'ai un get external storage public directory dans lequel je donne une constante. Donc ici, je vais récupérer le dossier picture parce que j'ai envie de sauvegarder une image et après, je vais simplement écrire dedans. Hop, on a aussi le photo picker. Le photo picker, c'est quoi? Ça va vous permettre de faire du sélectionner une image qui se trouve dans l'espace de stockage de votre téléphone, mais de manière unifiée. C'est-à-dire, en gros, vous avez ici à droite comment dire, pas une boîte de dialogue, mais un menu qui est arrivé, qui vous permettra de piquer votre photo. Et l'idée, c'est qu'en fait, cette UI sera commune à toutes les applications qui utilisent du coup le photo picker, qui sera du coup natif au système d'exploitation. Donc pour ça, ici on a du code avec Jetpack Compose. On a le register à l'événement du picker, donc avec le Remember Launcher for Activity Result, avec du coup en UERI la photo qui a été piquée. Et enfin, on a le call, donc le photopicker.launch qui vous permet de lancer l'expérience. Donc vraiment cool parce qu'en plus, ça ne vous demande aucune permission supplémentaire au niveau de votre application. Et donc du coup, vous pouvez simplement lancer le photo picker comme ça. Avec Android 13, on a la possibilité de faire du downgrade de permission. Donc jusqu'à présent, quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez la permission à l'utilisateur de le faire sans pouvoir plus tard le retirer parce que c'était que un one shot dans votre application. Donc là, vous aurez l'occasion de, après que l'expérience soit terminée, de downgrade la permission parce que vous n'avez plus besoin dans votre application. Pour ça, une méthode qui prend soit un paramètre, soit une liste de paramètres, une liste de string, revoke self permission on kill, et qui du coup vous retirera la permission et qui est disponible du coup uniquement avec Android 13. Hop. Après, il y a pas mal d'autres informations, pas mal d'autres choses qui ont été annoncées liées à Android 13, donc tout ce qui est privé, dashboard, notification permission, location accuracy qui vous permet notamment de venir dire si vous voulez partager votre localisation de manière précise ou pas, le nearby device, on va en reparler un petit peu, et le clipboard notification qui vous permet d'éviter de partager des informations sensibles entre différentes applications. Si vous voulez voir des replays qui ont été joués à la Google I/O, vous avez ces deux vidéos-là que je vous conseille, qui sont du coup liées vraiment fortement à Android 13 et du coup comment fonctionne la privacy et les background work.
Après, du coup, un point sur l'accessibilité. Donc, avec Jetpack Compose, ils ont, pour tous les éléments qui sont cliquables, ajouté une marge cliquable par défaut. Donc, par exemple, ici, j'ai le radio button et on peut voir donc une icône par défaut, ça fait 24 dpi. Là, ici, maintenant, quand on rajoute un on-click, automatiquement, Jetpack Compose va rajouter et va rendre la zone cliquable en 48 dpi. Et donc, si je la retire, le on-click, là, du coup, je reviens sur la taille de l'icône, donc ici, 24 dpi. Hop. Donc, un exemple. Pardon. Un exemple ici avec une box. J'ai une box noire. Et donc, on peut voir que quand je clique dans la box, ça clique. Mais quand je clique en dehors de la box, jusqu'à une certaine mesure, ça clique aussi. Donc là, c'est pour vous montrer un peu l'idée de comment la zone cliquable interagit avec vos éléments. Ce qui est lié maintenant au multi-device development. Donc, le constat de Google, c'est quoi? C'est que vous avez pas mal d'applications dans vos maisons avec toutes des applications différentes et il n'y a pas moyen de les interconnecter facilement. Donc là, l'idée, c'est qu'ils veulent commencer à agir sur cet aspect-là et améliorer la connexion entre les différentes applications et ces différents devices. Donc on a trois étapes. La première, c'est le device discovery qui permet du coup de scanner ce qu'il y a comme téléphone ou appareil connecté dans votre autour de vous. Donc pour ça, vous avez la méthode register for result qui va être du coup de récupérer l'ensemble des devices. Et après, vous avez la manière, enfin la connectivité que vous voulez utiliser pour du coup scanner. Donc ici, on utilise une connectivité Bluetooth. Hop, on a le wake-up. Le wake-up, c'est quoi? C'est simplement l'événement qui va venir réveiller un device connecté et qui va pouvoir du coup établir une connexion. Donc, pour ça, on a deux morceaux de code. On a la première morceau de code qui est le request, qui va permettre de dire je vais lancer le wake-up avec le participant que j'ai trouvé, donc le device que j'ai trouvé précédemment. Et après, du côté du device qui est réveillé, vous avez votre méthode onNewIntent sur laquelle vous pouvez venir écouter la constante action wake-up et pouvoir faire du coup initialiser la connexion. Donc, via ici la fonction accept incoming connection, qui du coup va nous permettre de faire une secure communication. Donc, et pour ça, il y a simplement du travail qui a été fait sur l'usage de cette API. Donc, ici, on a la première version avec la callback qui était jusqu'à présent utilisée. Maintenant, on a une approche basée sur les coroutines qui simplifie énormément l'usage pour établir une connexion entre plusieurs devices. Ensuite, sur Media 3, donc je le rappelle, c'est du coup le remplacement dans le futur de ExoPlayer, mais c'est pas encore le cas. Donc, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est ils ont prévu de faire des releases de ces deux projets en même temps, de synchroniser les releases. Donc, à chaque fois qu'il y aura une release de ExoPlayer, il y aura une release de Media 3 en parallèle. Et par contre, du coup, si vous voulez déjà avoir des informations, savoir comment migrer de ExoPlayer à Media 3, ils ont documenté ça. Notamment, il y a beaucoup d'informations sur beaucoup de choses à migrer, notamment liées aux imports qui migrent de ExoPlayer à Media 3 finalement. Et après, il y a aussi l'audio spatializer qui a été rajouté. Le spatializer, c'est quoi? Ça vous permet d'avoir un audio en trois dimensions plutôt qu'en stéréo, du coup, en deux dimensions. Donc, pour ça, comment on fait? On récupère l'audio manager via le système services. On récupère le service spatializer à partir de cet audio manager. Et puis, on vient vérifier si le spatializer est compatible avec la version d'Android et le téléphone et s'il est activé. Si oui, ben, du coup, on active le multi-channel pour activer le spatializer. Sinon, on revient en stéréo. Et enfin, machine learning, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en gros, ils veulent réduire la taille de vos applications et venir rajouter un certain nombre de choses dans les Google Play Services qui sont du coup installés dans la plupart des téléphones aujourd'hui. Donc, pour ça, on a aujourd'hui Google Code Scanner et TensorFlow Lite qui sont maintenant dans les Google Play Services et qui ne nécessitent plus d'être embarqués dans vos applications. Ça va du coup alléger le poids de vos applications et vous avez simplement à partir du principe que c'est disponible dans les Google Play Services pour pouvoir utiliser ces services. Donc plutôt cool.
Pareil, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a énormément de tools qui ont été faits à la Google I/O sur ça. Donc ici, accessibilité, multi-device, médias, caméra, machine learning. Après, il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé qui sont vraiment ultra spécifiques avec les Cars et Android TV, Google TV. Et après, il y a un workshop Optimize Streaming with ExoPlayer si vous voulez en savoir un peu plus sur comment optimiser les lecteurs vidéo dans vos applications. OK. Donc maintenant, on va démarrer avec Jetpack Compose et le tooling. Alors, donc on va aborder un certain nombre de choses. On va d'abord aborder tout ce qui est lié à Jetpack Compose avec la bêta 1.2 qui a été annoncée à la Google I/O. On va faire après un détour avec Wear OS qui ont fait un certain nombre d'annonces aussi liées à Jetpack Compose. Et enfin, on va terminer avec Android Studio et notamment leur version Dolphin et électrique. Donc, Jetpack Compose, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de basculer de votre de l'approche XML à l'approche déclarative et du coup de construire un nouveau système de vue qui soit aussi complet que l'existant, mais qui sera plus facile à utiliser. Et bon, pour ça, il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées avec la version bêta 1.2, notamment les downloadable fonts. Donc, les downloadable fonts, c'est quoi? Ça vous permet de venir récupérer une fonte à distance que vous embarquez pas dans votre application et que vous allez venir télécharger au runtime et qui va après être rendu dans votre application. Donc, pour ça, vous avez une dépendance à rajouter dans votre build.gradle. Donc, ici, UI text Google Fonts, parce que du coup, le provider qu'on va utiliser, c'est Google Fonts. On configure notre provider, donc on donne un certain nombre d'informations, notamment liées au certificat pour des questions de sécurité. Hop. Et après ça, on vient récupérer la fonte qui nous intéresse, donc ici Montserrat. Et à partir de cette fonte-là, on la configure dans une fonte family, comme si c'était une fonte que vous embarquez dans votre application. La seule différence, c'est que vous donnez le font provider pour du coup qu'il puisse récupérer la fonte dynamiquement. Et une fois que vous avez votre fonte family, vous la donnez à votre typographie, et à partir de là, c'est exactement comme si c'était une fonte. C'est-à-dire que vous préoccupez plus du tout que la fonte soit downloadable ou pas. C'est le framework, c'est Jetpack Compose qui va le gérer pour vous. Donc là, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, il y a un sample dans les Jet, etc., qui ont été. Ici, c'est Jet Message, il me semble. Donc, il y a un certain nombre de projets open source, Jet quelque chose, avec notamment l'usage des Google Fonts. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, il y a aussi la documentation officielle de Android, qui ont toute une section sur les Downloadable Fonts. Donc là, je vous redirige vers cette documentation-là. On a après les Nested Scrolling Interoperability. Alors, ça veut dire quoi? C'est en fait dans des écrans qui sont maintenant full Jetpack Compose, mais qui sont embarqués dans des applications qui sont avec une structure XML. Un exemple tout con qui va nous intéresser pour ce point-ci, c'est vous avez une toolbar déclarée en XML et vous avez votre écran qui est développé avec Jetpack Compose. Ben, jusqu'à présent, quand tout était en XML, vous pouvez interagir entre un contenu scrollable et votre toolbar pour qu'elle se cache, pour qu'elle s'étende, etc. C'était pas possible avec Jetpack Compose, mais maintenant c'est possible avec les Nested Scrolling. Pour ça, vous avez un remember à déclarer et vous le déclarez dans le Nested Scroll de votre lazy colon et automatiquement, il va se lier entre votre composant scrollable et votre toolbar. Donc c'est plutôt cool et assez simple à faire. Si vous voulez avoir plus d'informations, il n'y a pas énormément de documentation, donc vous devez aller dans les références du site Android Developers, mais il y a quand même pas mal d'informations et d'exemples de code pour vous aider à mettre ça en place dans votre application. Et enfin, le Lazy Layout. Donc si vous êtes déjà un utilisateur de Jetpack Compose, vous connaissez déjà le Lazy Colon. Vous connaissez peut-être pas encore le Lazy Vertical Grid qui permet de faire des grids du coup dans votre application qui est maintenant en stable dans 1.2. Mais en fait, ce que vous savez peut-être pas, c'est que under the hood, donc sous le capot, ils utilisent un composant qui s'appelle Lazy Layout qui est maintenant utilisable par n'importe qui. Donc, si vous voulez vous-même créer vos propres layouts Lazy, vous pouvez en utilisant ce composant-là. Pareil, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce composant, vous pouvez aller dans les références de Android Developers et il y aura un certain nombre d'exemples de code et de documentation, mais pas encore très fournis, pas encore dans les guides de Jetpack Compose. Après quoi, si vous voulez creuser un peu Jetpack Compose et toutes les annonces qui ont été faites autour de Jetpack Compose, vous avez trois talks et deux workshops
un lié au state, un autre lié au layout, que vous pouvez suivre pour du coup creuser un peu les sujets. OK. Autre sujet, Jetpack Compose pour les téléphones, pardon, pour les montres connectées. Grosse annonce, si vous n'avez pas vu les leaks, moi personnellement je ne les avais pas regardés. Du coup, première montre connectée 100% Google. Et en plus de ça, et du coup, ils ont mis beaucoup plus, ils ont investi beaucoup dans Jetpack Compose pour construire des applications pour montres qui soient beautiful, qui soient belles. Alors, plusieurs annonces. Une première liée à la navigation. Donc, si vous êtes déjà utilisateur de Jetpack Compose, vous connaissez déjà Navigation Compose. Là, maintenant, ils ont fait la variante Wear OS, qui est du coup Aware, qui est au courant de la navigation des montres. Donc, typiquement, vous avez maintenant un Remember Swipe Dismissible Nav Controller, avec vous donnez un Swipe Dismissible Nav Host, qui va du coup vous permettre de automatiquement gérer les animations lié à la navigation. Là, typiquement, vous voyez, quand on rentre dans un écran et qu'on fait un le bas, qui a une petite animation, bah, tout ça, ça sera géré pour vous avec ce composant-là. Après, on a le scaling lazy column. Donc, le lazy column, on vient de le voir, qui vous permet de faire des listes scrollables. On a l'équivalent côté Wear OS avec le scaling qui vous permet, du coup, de faire un scaling au-dessus et en dessous de vos de votre montre pour du coup avoir une cohérence entre les différentes applications. Donc plutôt cool parce que ben, c'est hyper simple à utiliser, vous avez juste à les déclarer et après tout le reste ça fait pour vous. Après il y a eu un certain nombre d'autres composants qui ont été annoncés. Donc le picker, le slider, le stepper, le dialogue et le progress indicator. Tous ces composants-là sont documentés dans la documentation de Wear OS. Vous avez une page là sur la gauche où vous les voyez, des pages qui sont très très courtes, qui vous expliquent vraiment comment fonctionne le composant, qui font limite la taille de votre écran en termes de longueur d'article. Donc vraiment simple à prendre en main. Et après, il y a aussi une annonce de Google Horlogist, qui est l'équivalent, si vous connaissez, de Acompanis, qui est en gros un ensemble de librairies qui sont très liés à l'écosystème. Donc ici, qui seront très liés au Wear OS, comme Acompanis, c'est très lié à Android, parce que Jetpack Compose n'est pas forcément lié à Android. Et donc du coup, Horlogist va vous permettre d'avoir des composants liés aux médias, aux dates, au temps et à la navigation, qui seront vraiment beaucoup plus dans l'esprit de Wear OS, et donc plus clé en main aussi. Si vous voulez avoir des rediffusions de la Google I/O, on a Beautiful Apps for Wear OS qui est vraiment un excellent talk que je vous conseille si ça vous intéresse, tout ce qui est lié aux montres. Et après, Health Connect, qui est quelque chose que je n'ai pas parlé parce que c'est vraiment très, très, très pointu comme sujet. Mais si le domaine de la santé et de la collecte de données liées à la santé vous intéresse, je vous conseille ce talk-là aussi. On termine par Android Studio pour cette section. On a du coup la bêta Dolphin qui a été annoncé avec du coup un certain nombre de fonctionnalités, notamment Compose Multi Preview qui va vous permettre de faire ce genre de choses-là. Alors ce genre de choses-là était déjà possible, sauf que vous deviez faire dans chacun annoter sur chacun de vos composants de preview trois annotations ici dans ce cas-ci. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer votre propre annotation, donc ici Preview Devices, et vous allez annoter cette annotation avec vos annotations preview. Et après, vous avez simplement à utiliser votre annotation preview devices pour du coup venir éviter de répéter toutes ces previews sur chacun de vos composants dans votre code base. Donc ça va vraiment alléger votre code base au niveau de vos previews. Donc vraiment cool. On a le compose recomposition count dans le layout inspector qui a été annoncé, qui va vous permettre de débugger bien mieux vos applications. Typiquement, là ici, quand vous lancez votre application, vous allez pouvoir ouvrir le Layout Inspector et sur la gauche, vous allez pouvoir voir la hiérarchie de vos composants UI et sur la droite, l'écran que vous êtes en train de tester. Et donc, quand vous allez naviguer dans votre application, sur la gauche, vous allez pouvoir voir sur chacun de vos composants combien de fois il s'est redessiné. Donc, ça va vous permettre d'optimiser la performance de vos applications et ne pas devoir redessiner des choses qui sont inutiles à redessiner. Enfin, après, on a le Gradle Manage Virtual Devices, qui n'est pas nouveau, mais sur lequel il y a eu énormément de travail qui a été fait pour accélérer, améliorer l'expérience. Et ils ont énormément travaillé, notamment sur le cache des tâches Gradle liées au lancement des émulateurs virtuels. Donc, du coup, dorénavant, vous avez ce DSL-là qui est exactement le même que précédemment. Mais du coup, maintenant, vous allez pouvoir les lancer
ça va lancer quasiment instantanément si ça vient d'un snapshot. Et en plus de ça, d'un point de vue test, vous allez aussi énormément y gagner en termes de rapidité. Donc c'est vraiment cool. Je vous conseille de vous pencher un peu sur la question si vous ne connaissiez pas déjà. Après, on a le LOCAT, le redesign du LOCAT qui se faisait vieux, puisqu'il n'avait jamais changé depuis le début d'Android Studio. Donc maintenant, on a cette interface-là avec la version expanded et la version compacte, avec un peu de couleurs mieux organisées, etc. Énormément d'options de filtrage au-dessus. Et après, vous avez un écran de configuration si vous voulez encore plus le customiser comme vous le souhaitez. Ça, c'est plutôt cool. Et enfin, on a le baseline profile qui vous permet quoi? Qui vous permet d'optimiser le lancement de vos applications. Pour ça, rien de plus simple, vous avez une dépendance à Gradle à rajouter, vous avez un test à rajouter aussi dans votre codebase que vous allez lancer une seule fois, ou en tout cas à chaque fois que vous voulez faire une version de votre application, qui va du coup lancer, écouter ce qui s'est fait au lancement de votre application jusqu'au lancement de votre première activité. Et une fois que ça sera fait, vous aurez un .txt dans votre storage de votre téléphone que vous allez pouvoir récupérer, que vous allez pouvoir mettre dans votre SRC main, et à chaque fois du coup que vous allez réaliser votre application, automatiquement, il va embarquer ce fichier-là dans la release et va impacter bénéfiquement du coup l'ensemble des devices qui téléchargent votre application et il va optimiser du coup son lancement. C'est vraiment cool. Après, il y a d'autres annonces qui ont été faites sur Dolphin. Il y a Compose Annotation Preview, Wear OS Emulator Toolbar qui est une nouvelle toolbar plus adaptée, le support du debugging des coroutines, ça c'est vraiment cool. Et par contre, pour information, la version 1.5.20 de Kotlin sera maintenant requise avec Dolphin. Maintenant, je regarde un peu le temps, ok. Canary Electric Earl, on a d'abord les Live Edit, vraiment cool, un game changer pour Compose, puisque du coup, ici, c'est un exemple d'un vrai projet qui se trouve à Decathlon, qui est le plus gros projet en termes de codebase, le plus gros projet mobile en termes de codebase, pour vous montrer qu'en gros, même peu importe la codebase que vous avez, la largeur de votre codebase, le Live Edit fonctionne plutôt bien. Je dis plutôt bien parce qu'il y a un peu de tint, etc. Donc c'est pas non plus parfait. Sans doute que ça va être encore amélioré avec les versions à venir, mais c'est déjà une énorme première étape dans le live edit de vos previews. Donc c'est vraiment cool. Avec Edouard qui passait juste avant et le hot reload de Flutter, le Compose finalement rattrape un peu le retard qu'ils avaient. Hop. Le device mirroring, c'est quoi? Ça va vous permettre de streamer directement votre téléphone dans Android Studio. Donc, vous allez simplement activer le paramètre dans Electric Earl. Et là, vous voyez mon téléphone que vous pouvez venir interagir comme si c'était un émulateur directement via Android Studio. Et du coup, après, vous pouvez le soit utiliser via le téléphone, soit via Android Studio. Donc, c'est plutôt cool aussi. Et enfin, le Resizable Emulator qui va vous permettre de lancer un émulateur qui va pouvoir se resize entre téléphone, unfoldable, tablette et desktop. Là, vous voyez les différents menus. Ce qui est en plus cool de pouvoir tester en un seul émulateur tous ces différents types de devices, c'est qu'en plus, vous allez pouvoir tester le bascule, par exemple, du téléphone à unfoldable, puisque pour information, il y a des choses à gérer, notamment liées à l'état dans ces transitions pour les unfoldable phones. Et donc, du coup, cet émulateur va vous permettre de le tester. Donc vraiment cool. Après, il y a d'autres annonces. SDK Index qui va vous aider au niveau de vos dépendances Gradle, en tout cas pour certaines. Visual Linting dans vos fichiers XML. La possibilité d'émuler du Bluetooth. Et enfin, Firebase CrashLytics Intégration qui va vous permettre d'avoir du coup maintenant une intégration de Firebase CrashLytics directement dans Android Studio et qui du coup va récupérer vos stack traces et vous allez pouvoir interagir entre les stack traces d'Android Studio directement avec votre codebase. Donc ça va vraiment être cool en termes de productivité. Hop, il me reste pas beaucoup de temps. Du coup, je vais aller vite pour la dernière section. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les mises à jour, sur le changelog de ces versions-là, ils sont disponibles sur Android Developers. Le lien est dans la présentation. De toute façon, je vous partagerai cette présentation à la fin de la présentation. Pareil, les replays, si vous voulez un peu creuser tous ces sujets-là. Enfin, large screen, énormément d'annonces liées à ça. On voit que Google veut un peu mettre un peu plus d'énergie sur les petits écrans avec avec les montres et sur les plus grands écrans avec les unfoldables, les tablettes et les desktops. Et donc du coup, ils ont maintenant mis un standard avec les Windows Size Classes.
avec la version compacte qui sont les téléphones, la version medium qui sont les unfoldables et les tablettes en format portrait, et après les expanded avec les formats tablettes ou en format paysage et les desktop. Ici, je vais prendre en exemple une application qui s'appelle Now in Android, qui était annoncée à la Google I/O, qui est finalement l'équivalent des applications qu'on avait avant avec des applications Google I/O qu'on avait avant, qui étaient mises en open source après l'événement. Là, l'idée, c'est quoi? C'est que dans cette application-là, vous allez avoir toutes les bonnes pratiques liées au développement pour l'année à venir. Et donc, du coup, ici, on a quoi? On a une version téléphone, une version unfoldable tablette et une version desktop, large screen en tout cas. Et donc, ce que vous pouvez voir, je ne l'ai pas dit, mais ce que vous pouvez voir, c'est que sur la version téléphone, on a en bas un navigation, j'ai un trou, navigation, une bottom bar navigation, voilà. Sur la droite, on a du coup une navigation rail et sur la grand format, on a le navigation drawer. Ce que préconise Google maintenant, c'est quoi? C'est ce genre de choses. Vous avez ici un Remember with Size class dans lequel vous allez pouvoir faire un certain nombre de conditions. Donc là, ici, on vérifie si on est en medium, expanded ou compact. Et en fonction du type de device dans lequel on se trouve, on va utiliser la navigation adaptée. Typiquement, c'est un remember. Pourquoi? Parce que ben, pour les unfoldable phones, on passe de compact à medium et donc du coup, il va automatiquement mettre à jour size class et donc il va automatiquement aussi mettre à jour l'UI derrière. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc ce qu'il préconise aussi d'un point de vue navigation, c'est de garder la même structure de navigation, peu importe le type de device derrière. Donc là, ici, on a trois écrans ABC. Et pour ces trois écrans-là, ce qu'ils préconisent, c'est de faire des conditions à l'intérieur pour dire, bah, si je suis en compact, je fais ci. Si je suis en medium, je fais ça. Si je suis en expanded, je fais ça. Et donc, du coup, ce qu'ils préconisent pas, forcément, c'est d'avoir des graphes différents de navigation. Donc là, on a les téléphones et les formats tablettes. Pourquoi ils ne les préconisent pas? C'est parce que, du coup, c'est deux choses à maintenir. Et en plus de ça, notamment pour les unfoldable phones, il y a de l'état à conserver et de la navigation à gérer. Si typiquement vous étiez sur du navigation list details, comme on dit avec une liste à gauche, la détail à droite, et que vous rebasculez en format téléphone, quelle est la navigation adoptée? Où est-ce que vous en êtes au niveau de la navigation? Comment revenir à l'état de navigation présente? C'est énormément de galères à gérer. Et donc du coup, ce qui préconise, c'est de garder une seule navigation. Donc typiquement, ici, on a une seule navigation. On avait quatre tabs dans notre navigation. Donc c'est la même navigation, peu importe les formats. Par contre, après, on va commencer à utiliser ce qu'on appelle de l'adaptive UI. Donc ici, dans ce cas-ci, donc on est dans une liste, et dans cette liste, on va utiliser deux colonnes ou une en fonction de quel type de taille d'écran on est. Et donc du coup, pour résumer, on a le compact, le medium et l'expanded, les trois formats que préconise aujourd'hui et que référence aujourd'hui Google. Je termine par ça. L'application dont je vous parlais, Now in Android, est disponible sur GitHub, Android slash Now in Android, qui est une application qui est complètement fonctionnelle, qui suit les guidelines officiels de Google et qui du coup se concentre sur trois sujets, l'architecture, user interface et le testing. Donc si vous êtes curieux d'un peu savoir un peu comment, qu'est-ce que préconise Google, je vous conseille d'aller regarder cette application-là. Et enfin, les différentes talks lié à ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus, avec le petit dernier, Adaptive Layout with Sliding Panel Layout, qui est un truc centré sur comment gérer le changement de taille, notamment pour les unfoldable phones. Merci, c'était beaucoup d'informations à vous transmettre, j'espère que ça n'aura pas été trop dense, et bah, du coup, je suis prêt à vous répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Géa, pour cette magnifique présentation. Donc, c'était très intéressant. Donc, là, Avec je vois plaisir. il y a des questions dans les commentaires. Yes. Hop. Donc, Parfait. on a la première question. Il n'y a pas de modif sur la gestion du bouton back. Effectivement, j'ai pas vu la presse qui est liée à ça, mais il me semble que dans une des vidéos, notamment sur les large screens, il parle du changement du bouton back, notamment sur la logique qui est utilisée pour faire du back. J'ai pas les détails, mais c'est pas impossible. Tout à fait. Tu as testé le moteur resizable? Ça marche.
Bien, ouais, j'ai testé. En fait, la vidéo qu'on voit à l'écran, c'est moi qui interagis en fait avec l'émulateur. Et ça fonctionne super bien. On voit que en plus de ça va même plus loin que ça. Le resizable émulateur, quand il change de format, c'est vraiment le système qui change, comme si c'était un unfoldable. Et donc du coup, ça gère vraiment tout ce qui est. Moi, j'ai pu tester notamment tout ce qui est sauvegarde d'état via Remember Savable, pour être sûr que je gardais l'état d'un écran à l'autre quand je basculais d'un format à l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce que j'utilise, moi, d'un point de vue pro, au quotidien. Donc, très clairement, ouais, ça marche bien. J'ai pas rencontré encore de soucis avec ça. Dans le général, à propos des métavers, sait-on déjà la place qu'aura Android dans ce potentiel futur? Aura-t-on des futures annonces à propos? Non. Non, j'ai pas d'informations. Il n'y a eu aucune, en tout cas, annonce liée au métavers à la Google I/O. En tout cas, j'en ai pas vu. En tout cas, pas dans l'écosystème Android. Peut-être qu'il y en a eu dans les autres domaines chez Google, c'est pas impossible. Mais en tout cas, côté Android, que je connais, de ce que je sais avec mes contacts Google ou de ce qui s'est passé de manière publique, il n'y a pas d'informations liées au métavers pour l'instant. C'est Voilà. tout? Parfait. Pour le moment, il y a plus de questions. Bon, Super. de toute façon, ton Twitter est disponible. Ceux qui ont des questions Yes. par la Tout à suite, fait. Ah voilà. oui, ce que je voulais faire, c'est je mets les slides aussi, comme ça si vous voulez les avoir. D'accord. Je sais pas s'ils peuvent être communiqués ailleurs aussi, mais voilà, Oui, il pourrait être communiqué, donc il n'y a pas de si vous voulez souci. être en description ou quoi de la vidéo après, D'accord. ils sont ici. Et donc tous les éléments que vous avez vus, donc toutes les vidéos que je fais apparaître, tous les liens de documentation. Enfin, absolument tout ce que je dis qui est cliquable, enfin, tous les liens que je donne sont cliquables. Donc, vous avez juste à cliquer sur la presse et ce sera bon. D'accord, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ce fut vraiment un privilège pour nous. Merci à vous. C'est cool. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, nous te souhaitons donc une bonne fin de journée À vous aussi, à tout le monde aussi. pour nos prochains événements. Yes, Donc, c'est cool. On il n'est y a... pas. En plus, je suis allié, je suis pas loin. c'est ça exactement. Donc, et aussi, merci à tous d'être venus aujourd'hui et d'avoir assisté à cet événement. Donc, on n'a pas eu l'occasion de parler de toutes les nouvelles technologies de Google. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans nos futurs événements. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va. Cool. Et donc, nous vous souhaitons à tous une bonne journée et à vous revoir bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao. Bonne journée.